Allez, c'est parti pour un combat dans la catégorie des poids légers entre Michael Chiesa, Anthony Pettis. Et ça démarre. Il le bloque en puissance. Il touche son adversaire avec ce coup de poing. Joli coup de pied de Pettis. Un jab rapide par Pettis. Coup de pied puissant encore. Crochet à la tête. Superbe. Il encaisse ce coup de pied au corps. Il change sa posture. Il lui prend la tête. Il lui attaque la cuisse avec un coup de genou. Tie clinch verrouillé. Joli crochet au corps de Chiesa. Le voilà qui passe en over-under. Très mauvaise défense. Il a réussi à l'étrangler. Super technique. Ça se complique là. La situation est dangereuse. Waouh, imaginez le cardio qu'il faut pour se sortir de ça. Il est en position de full guard. Pettis envoie un joli combo en full guard. Coup de coude brutaux. Belle défense avec les coudes. Encore un gros coup de coude de Chiesa. Il passe en half guard. Chiesa est de retour en full guard. Ça enchaîne au corps. Half guard à nouveau. Et le coup de coude au corps par Pettis. Le retour en full guard. On part sur une soumission. Il le tient là, il ne va plus le lâcher. Belle défense. Pettis enchaîne en full guard. Bien défendu les coups de coude. Il s'acharne à coups de coude. Coup de coude. Bon contrôle au sort. Une minute. Il essaie de passer la garde, mais ça ne marche pas. Balayage très bien exécuté. Il se redresse. Pettis est en half guard. Et c'est la fin du premier round. Allez, c'est reparti. Ah, la frappe passe bien. Les frappes au corps se multiplient pour Pettis. Il place un bon direct du droit. Superbe blocage sur cette violente frappe à la tête. On se rend coup pour coup ici. Superbe coup de pied retourné qui vient s'écraser contre le ventre de son adversaire. Un enchaînement efficace et varié. Coup de pied qui touche. Et maintenant, voyons voir le nombre de frappes au corps réussies. Et il lui colle son pied en pleine tête. Il encaisse un jab de plein fouet. Il place un crochet au corps qui passe parfaitement. Le coup ne fait pas de dégâts. Il envoie un superbe direct du droit. Le coude qui touche. Il prend le dessus en clinch. Une belle lutte pour tenter de contrôler la position. Excellente technique. Ce n'est pas fini. Pettis qui continue de punir son adversaire avec des frappes au corps dans ce round. Est
contre au sol ne lui pose aucun problème. Il passe en side control. Il profite du side control pour envoyer les genoux. Il est en position de half guard. Passage réussi en full guard. Ils sont de retour debout. Un coup de coude qui va faire mal par Pettis. Joli coup de coude encore de Pettis. Il se relève encore une fois. Il touche sa cible avec ce coup de poing. Il rate sa cible. Gros coup de pied. Joli coup de poing de Chiesa. Et ça rentre. Oh, il l'a senti passer cet enchaînement. Il encaisse ce coup de pied retourné. Il le touche avec cette frappe. C'est à qui mettra la plus grosse frappe. Jolie technique sur ce coup de pied retourné. Wow. Il cherche à jauger la distance avec ce jab. Et la frappe n'est pas efficace. Crochet du gauche. Fin du second round. C'est parti pour le troisième round de ce combat de championnat. Ce combat a bien commencé. Qu'en pensez-vous ? On a deux adversaires qui ne sont pas du genre à faire des erreurs de débutant. J'attends la suite. Un coup qui touche. Chiesa envoie son jab à côté. Excellente défense. Et ça va reprendre. Il marque des points. Il se prend encore un jab. Et un beau coup de pied de Pettis. Oh, il est touché. S'il continue comme ça, il va finir. C'est la fin de ce combat. Une gauche qui tombe à point nommé. Quelle technique. Il a vraiment mis tout son poids sur ce coup. Joli travail. Revoyons les meilleurs moments du combat. Un puissant coup de pied qui l'envoie au tapis. Le gros coup de pied, regardez. Superbe KO. Le mouvement est amorcé. Et voici Bruce Buffer.